Le samedi 9 septembre, les candidats les plus accomplis des émissions télévisées se sont rassemblés sous la houlette de Cyril Ferraud pour s'affronter dans l'émission « Le Quiz des Champions » qui a été diffusée sur France 2. Parmi ses compétiteurs distingués figurait notamment Paul Elkara, un candidat de renom ayant marqué les esprits lors de son parcours remarquable dans l'émission « Les 12 coups de midi ». Lors de son passage mémorable sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, ce sociétaire des « grosses têtes » avait triomphé en accumulant un montant impressionnant de 560 000 euros de gains après avoir participé à 153 émissions. Dans une entrevue accordée à Télé 7 jours, le jeune homme âgé de 24 ans s'est exprimé au sujet de son retour à la télévision dans l'émission « Le Quiz des Champions ». Il a déclaré « Je m'y engage sans aucune prétention, simplement pour le plaisir du jeu. Habituellement, je réussis toujours la première manche, c'est donc ce que j'espère pour cette fois-ci également. La deuxième manche est toujours un défi pour moi, car je lutte considérablement pour maintenir ma concentration et ma maîtrise de moi-même. Ce n'est pas tant la nature des questions posées qui me pose problème, mais plutôt la gestion de mes émotions. C'est un aspect quelque peu contraignant, étant donné que je sais que j'ai la capacité d'aller au-delà de ces difficultés. » Le samedi 9 septembre, Cyril Ferraud était ainsi à la barre d'une nouvelle édition du « Quiz des champions ». Au cours de cette soirée, la candidate Estelle a eu la surprise d'entendre un message enregistré par sa mère. L'animateur de 38 ans, ayant lui-même perdu son père en 2019, n'a pu retenir ses larmes en observant l'émotion de la jeune femme. Il a partagé ses sentiments en ces termes « Moi aussi, cela m'a ému aux larmes. C'est réconfortant d'entendre sa maman exprimer. Voilà, nous sommes extrêmement fiers », a-t-il exprimé. « Pour ma part, il vaut mieux éviter de me montrer de telles choses, en fait », a-t-il poursuivi. Estelle, de son côté, a partagé « Elle a bien gardé le secret, en tout cas, elle n'a rien laissé transparaître. » Le présentateur a remarqué « C'est une belle surprise. » Estelle a complété en disant « Oui, et je les embrasse très fort. Je parle souvent de mes enfants et de mon mari, mais mes parents sont toujours là pour moi, donc cela me fait vraiment très plaisir. » Une séquence profondément émouvante.